Oh my God. Panique à bord. Panique à bord. Panique à bord, panique à bord, panique à bord, panique à bord. C'est la panique partout. Alors, voilà, je suis déjà en direct, c'est bon. Bonsoir la famille, bonsoir TikTok, bonsoir Facebook. Panique à bord, panique à bord, panique à bord. Partagez massivement le live. Partagez massivement le live. Et ceux qui sont déjà connectés, n'oubliez pas de taguer les autres. Bipez-les tous, bipez-les. Hein? Et surtout, envoyez les cœurs. Bipez-les. Je veux faire un petit rappel. Phil Einstein, bonsoir. J'espère que tu vas bien. Bonsoir à vous. Bipez-les. Ouais, bipez-les. Bipez-les. Je veux faire un petit rappel. Voilà. Bipez-les. C'est pas possible. On est où là? Hein? C'est quoi cette histoire? Bipez-les. Vous voulez prendre les Camerounais pour les qui? Parce que j'ai vu un peu, n'est-ce pas, comme d'habitude, les gens sont tombés dans la diffamation. N'est-ce pas? Les gens sont tombés dans la bêtise. N'est-ce pas? Bonsoir Madoc, j'espère que tu vas bien. Les gens sont tombés dans du n'importe quoi parce qu'il ne faut pas que j'utilise trop les gros mots, sinon on va me bloquer. Comme maintenant, c'est devenu la routine, on me bloque tout le temps, tous les jours, chaque temps, chaque temps. Mais vous n'allez pas nous empêcher de dire la vérité. Ah, ça, c'est vrai. Et je vais rappeler à tous ceux qui passent leur temps à nous menacer là. Quand on apparaît en vidéo comme ça, c'est pour vous dire déjà qu'on n'a peur de rien. On ne se cache pas comme vous derrière des profils non identifiés pour menacer le régime ou quoi que ce soit. Non, 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 non. On s'affiche. Et je vais aussi vous rappeler que le régime nous connaît très bien. Et comme je vous disais l'autre jour, nous avons un problème avec l'ordre gouvernant au Cameroun. Nous n'avons pas de problème avec d'autres Camerounais parce que vous ne nous intéressez pas. Mais si vous voulez vous intéresser à ce qu'on fait au point de venir nous menacer, vous devenez aussi notre problème. C'est aussi simple que ça. Donc, soit vous pouvez soutenir le régime d'IA comme vous voulez, argumenter, faites vos lives, parlez du régime d'IA, ça vous engage. Vraiment, ça vous engage. Ça vous engage, je dis encore. Soutenez, on ne vous a jamais empêché. Vendez votre avenir au prix d'un pain et d'une sardine, ce n'est pas notre problème. Mais n'essayez pas de venir nous menacer. Parce que quand vous essayez de venir nous menacer là, à ce moment-là, vous devenez notre problème. Et là, nous, on sait régler nos problèmes. Donc, je montre mon visage quand je dis. Ça doit déjà vous montrer le sérieux dans ce que je fais. Parce qu'on ne va pas essayer c'est-à-dire quoi, de m'attaquer avec des personnes qui se cachent. Parce que ceux qui sont sûrs de montrer leur visage, ceux qui se cachent, en réalité, n'existent pas. Donc, si vous voulez menacer les gens, montrez-vous. Si vous êtes sûr de vous et vous êtes sûr de ce que vous faites, montrez-vous. Voilà. Donc ça, c'était d'abord une petite parenthèse pour ouvrir et entrer dans le vif du sujet. Bonsoir, Traoré Akapezout. Bonsoir, Guillaume Gabriel. Bonsoir, Afrique Terre des Pharaons. Bonsoir, Larios. Bonsoir. Bonsoir à tous ceux qui sont connectés sur Facebook. Bonsoir à tous ceux qui sont connectés sur TikTok. Faites un maximum de partage, s'il vous plaît. Sur TikTok, vous n'avez pas encore commencé à partager. Mettez les cœurs déjà. Même les cœurs, vous ne mettez pas encore sur TikTok. Donc, faites un maximum de partage sur TikTok et mettez les cœurs, s'il vous plaît. Celui qui vient mal ici, il avait un mauvais commentaire. Vous connaissez, non? C'est mute, direct. On ne perd pas le temps. On te bloque. Tu vas te balader ailleurs. On ne perd pas le temps. Donc, si vous voulez participer à mon panel, vous restez courtois. Sinon, vous partez faire vos lives. Je pense que TikTok donne la possibilité à tout le monde de faire son live. Et quand je lance mon live, je ne bip personne. Ceux qui se sentent concernés par ce que je dis, viennent se connecter dans le live et participent. Ceux qui ne se sentent pas concernés, qu'ils ne viennent pas. Ne venez pas en commentaire commencer à insulter. C'est blocage direct. Et il y a des modérateurs qui sont là pour ça. Donc, si vous voyez que vous ne pouvez plus commenter, sachez que vous avez été bloqué. Mouna Sawa, bonsoir. TC Change, bonsoir. Bijou Kamer, bonsoir. Eric Mandeng, bonsoir. Oui, c'est comme ça. Quand moi, je lance mon live, je ne bip personne. Je lance seulement. Là où ça part, ça part.
Ceux qui sont intéressés par le live vont regarder. Ceux qui ne sont pas intéressés doivent passer leur route. C'est ça. Sidoine Samo Diossi, bonsoir aussi. Bonsoir à vous, bonsoir. Mais tapotez l'écran sur TikTok, s'il vous plaît. Tapotez l'écran pour que le live commence bien. Tapotez l'écran. On veut tromper les Camerounais. Professeur Baébiek, je t'aime bien. Mais parfois, tu veux déranger le père. Bipez-moi un peu le professeur Baébiek. C'est un grand frère. Il sait très bien. Il sait que je l'aime bien. Il sait ça. C'est pour ça que quand il dérape, on doit le recadrer. Professeur Baébiek, tu es souvent connecté là de temps en temps. Je ne sais pas ce soir, je ne sais pas si tu t'es connecté. Si tu es connecté, fais juste un salut. Comme ça, je sais que tu es là. Là, je vais directement parler. Bah, allez-y. Partagez le live là au professeur Baébiek, mon grand frère adoré. Je l'aime bien, hein? Mais aujourd'hui, il a dérapé. Il dérape trop. Personne n'a de complot contre Samuel Eto'o. Nul ne peut se prévaloir de ses propres turpitudes. Je vais rappeler au professeur Baébiek que c'est Samuel Eto'o qui a décidé unilatéralement de soutenir le régime en place en 2018. Il a apporté ouvertement son soutien au régime. Et il a fait la campagne de Popol. Il a demandé à tous les Camerounais qui le suivent. Et Dieu sait comment il est suivi. Il a demandé à tous les Camerounais qui le suivent de voter pour Popol parce que c'est le meilleur choix. Et que Popol a beaucoup fait pour lui, Samuel Eto'o. Et donc, tous les Camerounais qui le suivent, qui ont confiance en lui, Samuel Eto'o, aussi bien qu'il est le goleador camerounais, doivent soutenir Popol. Ce n'est pas nous qui l'avons envoyé soutenir Popol. C'est lui qui a décidé de soutenir Popol. Il était très sincère dans sa démarche. Mettez les cœurs sur TikTok, les gars, s'il vous plaît. Mettez les cœurs. Protégez le live. Parce que pendant que vous ne mettez pas les cœurs, il y en a qui signalent. Mettez les cœurs. Sur Facebook aussi, mettez les cœurs. Je vous en prie. Mettez les cœurs. Nous, on ne l'a pas envoyé. Partagez aussi sur Facebook. Si chacun d'entre vous qui êtes connecté là, vous êtes déjà nombreux à être connectés, partagez au moins à 10 personnes ou bien dans 10 groupes. Pareil sur TikTok. Partagez le message. C'est très important. Notre pays doit changer. Et pour que le pays change, les gens doivent se rendre compte de la situation dans laquelle on se trouve. En 2018, c'est lui qui a dit qu'il va soutenir Popol. Et il a appelé tous les Camerounais à soutenir Popol. Tous les Camerounais qui croient en lui. Si vous croyez qu'il manque, partagez pour que je mette la vidéo. Je vais vous faire écouter la vidéo. Partagez pour que je mette la vidéo. S'il vous plaît. Voilà. Parce que quand on fait les choses, il faut bien faire. Vraiment. Quand on fait les choses, il faut bien faire. C'est lui, Samuel Eto'o, qui a fait la campagne de Popol en 2018. Il était en campagne jusqu'il avait le pin de Eto'o, de Popol. Il avait le pin. Rigobert Song, de son côté, avait les habits du RDPC partout sur lui. Et il partait, il battait campagne. Donc les gars ont soutenu le régime là, Popol. Ils ont soutenu ça. Ils ont soutenu en 2018 déjà. Et pour vous mettre la vidéo, parce que là, moi, vous savez, moi je parle toujours avec les preuves. Moi je parle toujours avec les preuves. Je peux vous mettre la vidéo. Donc faites un maximum de partage. Dès qu'on est assez nombreux là, je mets la vidéo. Voilà. Narcisse Maestro maintenant vient dire que le MSC ne veut pas un changement au Cameroun. Nous tous, on va soutenir le régime Biala. On accepte. Moi, je fais même déjà partie du MSC là. Parce que tout le temps, dès qu'il y a un moindre problème au Cameroun, on dénonce une supercherie. Vous venez sur les réseaux sociaux, le MSC, Maurice Kamto, le MSC. Moi-même là, je suis du MSC. Allez dire. Je soutiens Maurice Kamto jusqu'à Maurice Kamto. Dieu t'a dit jusqu'à la mort même. Allez dire. Vous allez vous pendre. On ne veut même pas le changement. On soutient même nous tous là. On va soutenir Biya comme Eto'o a soutenu Biya. Parce que vous pensez que quand vous faites ça, vous faites du mal à qui? Vous faites du mal à qui? Nous tous, on va soutenir Biya là maintenant. Ou bien, on se cache. Est-ce que sur TikTok, vous vous cachez? N'est-ce pas quand on est en train de batailler pour le changement, vous êtes les mêmes à venir nous combattre? Aujourd'hui là, on soutient les textes de Biya. On soutient Popol. Nous, on va soutenir Popol là jusqu'à la gare maintenant. Donc, ça dit que Eto'o a le droit de soutenir Popol. Vous trouvez ça normal? Quand nous, maintenant, on vient soutenir Popol, ça devient un problème.
Nous, on va soutenir Popol. Maintenant, vous aussi, devenez les opposants. Devenez les opposants et montrez-nous comment on fait l'opposition. C'est tout ce qu'on vous demande. Montrez-nous maintenant comment on fait l'opposition là. Bataillez dans le respect des institutions, hein, comme vous avez l'habitude de dire. Dans le respect des institutions. Maintenant, bataillez. Parce que vous voyez, Samuel Eto'o, le gars vient là, tranquille. Je soutiens Paul Biya parce que ce qu'il a fait pour moi est incommensurable. Pour moi, c'est le plus grand homme du Cameroun. Je vais le soutenir jusqu'à la gare. J'appelle tous les Camerounais à le voter. Et nanani, nanana. On dit que, hé, hey, mon frère, comment tu peux faire ça? Vous êtes les mêmes, vous sortez, vous dites, laissez le grand neuf. Il est libre de soutenir qui il veut. Laissez le grand neuf. Il est libre de soutenir qui il veut. Aujourd'hui, que le grand neuf là se fait mordre par la machine qu'il a eu à soutenir, vous venez maintenant dire, hein, vous les gens du MRC, vous soutenez le régime, on soutient bien, je suis du MRC. Maintenant, vous aussi de votre côté, montrez-nous maintenant comment on lutte contre le régime. C'est tout ce qu'on vous demande. Voilà encore notre Danny Scorpio. C'est-à-dire, vous allez remarquer qu'il y a beaucoup de personnes qui sont tribalistes dans l'âme. Et il suffit d'un peu comme ça, là, quand leur tribalisme ressort. Pourtant, Danny Scorpio, je pensais que c'était quelqu'un qui pouvait réfléchir. Mais malheureusement, lui aussi tombe dans certaines bassesses. Il tombe dans certaines bassesses. Quelle déception! Quelle déception! Pourtant, c'est quelqu'un que jusqu'à, je suis même, c'est rare, je suis même parti m'abonner sur sa page parce qu'il me disait que ouais, voilà quelqu'un qui résonne. Mais dès que ça arrive sur Eto'o, pan, Danny Scorpio devient il devient pire, je ne sais pas, je n'ai même pas envie de lui donner certains. Mieux il reste de son côté, franchement. Vous ne pouvez pas dire que vous luttez contre le régime de Popol. Mais en même temps, vous allez soutenir quelqu'un qui appelle les Camerounais à soutenir le régime de Popol. Mais vous êtes taré ou quoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Parce que la personne aurait passé sa vie à courir derrière un ballon et à gagner quelques trophées par-ci, par-là. Donc ça lui donne un passe-droit. Ça lui donne un passe-droit. Pendant que partout, ses égaux soutiennent le peuple. Partout, ses égaux soutiennent le peuple. Lui, il vient au Cameroun. Tous là, ils se mettent à soutenir le régime en place. Pourtant, le régime là ne leur a jamais rien donné. En réalité. Ils viennent piétiner les souffrances du peuple. Le gars a traversé jusqu'à aller au Nozo où il y a la guerre. Il demande qu'on fasse un grand plan sur lui. Il dit que vous voyez, je marche ici là sans garde du corps. Alors qu'il y avait les gendarmes derrière lui, plein, les gars du BI. Il était accompagné par au moins une vingtaine de militaires et de gendarmes. Une grosse escorte. Mais le gars demande qu'on le filme dans un petit cadre en train de manger le soya. Il dit, vous voyez, je suis ici, il n'y a pas la guerre, tout est calme. Alors que les enfants venaient de mourir. Alors que les armes sont en train de crépiter. Comment Eto'o peut être aussi méchant? Pour ses propres intérêts. Et vous voulez que les personnes qui savent utiliser leur cerveau comme moi là, on le soutient. Par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Ouais, GS Nton. Nous on ne soutient pas comme toi-même. Je ne sais même pas, je retire ça. Je soutiens Popol. Maintenant. Je soutiens Popol maintenant. Vous aussi, devenez les opposants. Parce que je vois depuis hier, là, les gens ne font que dire, oh, Max, maintenant, Max, tu soutiens le régime en place. Max, tu soutiens le régime. Je soutiens bien. Je soutiens ça jusqu'à bien. Je vous ai même dit que quand les sardines bagarrent entre eux, là, notre rôle, c'est de mettre le feu. Et c'est exactement ce que moi, je suis en train de faire. Je joue mon rôle. Je mets le feu. Ça va les brûler. Ce n'est pas moi qui ai envoyé Eto'o. Aller soutenir le régime. Non, c'est pas moi. Il est parti soutenir le régime. Il connaissait tous les textes que ce régime l'avait mis en place pour contrôler même la fecal food. Parce que le texte qui le broie aujourd'hui, là, c'est un texte qui date de 2015. Et en devenant président de la fecal food, il a adhéré à ce texte-là. Il n'a jamais contesté ce texte-là. Il n'a jamais contesté ce texte-là pendant que ça l'arrangeait. Parce qu'à chaque fois qu'un coach a été nommé à la tête des Lions, depuis qu'il a pris ses fonctions à la FECAFOOT, c'était le même procédé. Il partait proposer au ministre des Sports, le ministre des Sports valide. C'était comme ça que ça fonctionnait. Et même pour nommer Rigobert Song, il a licencié Conseil Sao,
Le ministre des Sports lui dit non, ça c'est un licenciement abusif. Et toi, traverser le ministre des Sports, il est parti à la présidence. La présidence a envoyé les hautes instructions comme d'habitude et le ministre des Sports a dit ok, comme c'est les hautes instructions du chef de l'État, je valide. Voilà ça. Le ministre des Sports a signé le contrat de son. Maintenant, à son tour, quand Eto'o se retrouve embrouillé dans son propre jeu, là où les hautes instructions viennent toujours de la présidence de la République, le gars dit qu'il ne reconnaît pas les hautes instructions. Là, quand ça l'arrangeait, il reconnaissait les hautes instructions. Quand ça l'arrangeait, il a reconnu les hautes instructions. Parce que le contrat de Sombana, comme je vous dis là, c'est comme ça que ça s'est passé. Concessao était encore contractuel avec l'équipe nationale du Cameroun et l'État. Parce que l'équipe nationale du Cameroun appartient à l'État. Hein. Ce n'est pas une affaire de la FECAFOOT. Hein. On a juste confié la gestion de l'équipe nationale du Cameroun à la FECAFOOT. Donc, Concessao, son contrat continuait. Eto'o est arrivé, il a dit qu'il va rompre le contrat, il ne veut pas entendre. Mouele Kombi, connaissant le droit, parce que c'est un agrégé de droit, c'est un grand professeur de droit, Mouele Kombi, même si on dit n'importe quoi, même comme c'est un bon petit malhonnête, reconnaissons-lui quand même ses diplômes. Mouele Kombi, parce que moi je l'appelle Mouele Kombi, la combine moelleuse, parce que si vous entendez le genre de détournement que le type l'a organisé depuis qu'il est au ministère des Sports, vous n'allez pas en revenir. Et le gars est fort pour écrire les textes. Mouele Kombi lui dit, non, il ne faut pas faire ça, ne fais pas ça. Si tu veux renvoyer Concessao, attends que son contrat finisse d'abord. Sinon, tu vas te retrouver dans les problèmes et nous, on n'a pas l'argent pour payer. Vous savez ce que toi fait? Le gars a traversé Mouele Kombi. Il est parti à la présidence de la République, directement. La présidence de la République a écrit un courrier à Mouele Kombi pour dire que faites ce que le gars l'a dit, parce qu'il nous a dit qu'il connaît bien le sport là, donc faites ce qu'il dit. Les hautes instructions sont venues de la présidence de la République. Et pourquoi on nomme Rigobert sont à la tête des Lions? Si Eto'o avait le pouvoir là, de nommer quelqu'un à la tête des Lions, sans avoir besoin de l'approbation de l'État du Cameroun, pourquoi est-ce que Eto'o n'avait pas nommé directement Rigobert Song et signé le contrat de Rigobert Song alors? Pourquoi est-ce que Eto'o a besoin d'envoyer ses propositions au ministre des Sports pour que le ministre des Sports valide? Pourquoi est-ce que Eto'o a besoin de ça? Si Eto'o a le pouvoir de signer le contrat sans l'approbation du ministère des Sports ou bien de l'État du Cameroun, parce que le ministère des Sports, c'est l'État du Cameroun. C'est un ministère, c'est l'État du Cameroun, c'est nous là, c'est notre argent. Quand on veut payer les coachs là, c'est notre argent, l'argent du contribuable. Mais pourquoi alors Eto'o n'a pas signé? Si les textes lui donnent, si les textes dont il parle là, les textes qu'il évoque là, si les textes là lui donnaient ce pouvoir, pourquoi il n'a pas signé son? Pourquoi il y a eu cette altercation entre lui et Mouele Kombi? Jusqu'à ce qu'il a été obligé d'aller à la présidence et c'est la présidence qui a demandé, on a donné une injonction, hein? On avait donné une injonction à Mouele Kombi que ce sont les hautes instructions du chef d'État. Il faut signer Rigobert Song. Et Mouele Kombi a dit, quand j'entends déjà haute instruction là, je signe. Et c'est comme ça que Mouele Kombi a signé le contrat de Rigobert Song. Ben oui, vous ne saviez pas, c'est comme ça. C'est comme ça. S'il vous plaît, mettez les cœurs sur Facebook. Le live est en train de bugger de mon côté. Bon, sur TikTok, ça ne bug pas, mais mettez quand même les cœurs aussi. Mettez beaucoup de cœurs. Hein? Donc, professeur Baébec, tu dis que l'entraîneur n'est pas un fonctionnaire de l'État du Cameroun, nanani, nanana. Depuis quand est-ce qu'il y a un entraîneur à la tête de l'équipe nationale, professeur Baébec? Pourquoi vous aimez jouer avec les mots pour embrouiller les Camerounais? C'est un sélectionneur. Et l'équipe nationale et l'État du Cameroun peut signer un contrat avec un sélectionneur pour mettre à la tête de son équipe nationale. Ça se fait partout. C'est comme ça que ça s'est toujours fait, même au Cameroun. Quand la FECAFOOT signe un contrat, c'est après l'approbation du ministère des Sports. Toujours dans l'État du Cameroun. Mais pourquoi vous faites les choses comme ça, professeur Baébec? Les Camerounais attendent de vous. Que vous quittez un peu, n'est-ce pas, c'est cette façon d'être toujours partiel là quand il s'agit de certains sujets. On attend de vous, n'est-ce pas, des réflexions objectives.
Oui. Vous parlez d'une loi, d'un décret de 2014. Après le décret de 2014, il y a eu la convention FECAFOOT ministère des Sports parce qu'il y avait toujours ce conflit. Qui va nommer l'entraîneur? Qui va nommer le sélectionneur? Qui va nommer le sélectionneur de l'équipe nationale? Et donc, il y a eu une convention, une entente entre la FECAFOOT et le ministère des Sports, dont l'État du Cameroun, que désormais, voici comment est-ce qu'on va procéder. Le président, c'est-à-dire la FECAFOOT, peut signer le contrat après avis obligatoire du ministre des Sports. La FECAFOOT peut signer le contrat d'un sélectionneur après avis obligatoire du ministre des Sports. Par contre, le ministre des Sports, ou alors l'État du Cameroun, via son ministère des Sports, peut mettre à la disposition de l'équipe nationale un encadrement. C'est écrit noir sur blanc. Vous ne comprenez pas quoi. Du côté de la FECAFOOT, Eto connaissait très bien cette convention et c'est pour ça qu'à chaque fois, il envoie les propositions au ministère des Sports. Et c'était au ministère des Sports de valider ou pas. Et donc, les propositions qu'il a envoyées cette fois-ci, c'était la magie. Hervé Renard demande où c'est combien de... Wombo, mon frère, 1 600 millions par an. Hervé Renard n'a jamais vu ça, même au Qatar. Même en France, Hervé Renard n'a jamais touché ce genre d'argent. C'est le Cameroun qui va avoir l'argent pour le payer comme ça. Et au-dessus de ça, Eto demande à l'État du Cameroun de mettre le salaire de l'entraîneur à disposition 2 jours avant la signature, la prise de fonction de l'entraîneur. Ouais. Ouais. Mon frère. Donc, je reviens d'abord sur le professeur Baïbeg et dit, on n'a pas un entraîneur à la tête de l'équipe nationale. C'est un sélectionneur qui peut aussi être un manager. C'est un encadreur. Et c'est un tacticien juste. C'est un sélectionneur. Il est là pour sélectionner, accompagner les équipes. Mettre en place des tactiques de jeu avec son équipe technique. Ce n'est pas un entraîneur. Il n'entraîne pas l'équipe nationale. Parce que l'équipe nationale, c'est une sélection. On sélectionne les meilleurs. Ils n'ont pas besoin d'être entraînés. Hein, le professeur Baïbeck. Ouais, mon frère. Ouais, le père. Pourquoi tu fais ça? Personne n'a de complot contre Eto. Donc voilà. Attendez, excusez-moi un peu 2 secondes, la famille. Excusez-moi 2 secondes. Je m'en vais maintenant vous prendre la vidéo. Là où Eto appelle les Camerounais, il dit qu'il va voter pour Biya. Il dit qu'il va voter pour Biya en 2018. Et d'ailleurs, sur France 24 aussi, il a encore dit la même chose. Mabi Laura, bonsoir à toi. Faites un maximum de partages, la famille. Je vois seulement 87 partages sur Facebook. Ce n'est pas assez. Ce n'est pas assez, ce n'est pas assez, ce n'est pas assez. Faites un maximum de partages. Faites un maximum de partages. Moi-même, je m'en vais partager sur Max Senior Alpha. Vous savez que Max Senior Officiel est bloqué. C'est une page qui a trop de problèmes en ce moment. Donc, si vous ne faites pas un maximum de partages, si vous ne mettez pas beaucoup de cœur, on aura des problèmes avec, notre live. Sur TikTok aussi, faites un maximum de partages, la famille, et surtout, tapotez l'écran. Tapotez l'écran. Pour partager, c'est juste en bas, la flèche qui fait comme ça. Pour partager et tapoter l'écran. Voilà. Donc maintenant, moi, je m'en vais mettre le live là. Je m'en vais... Oh là là, Samuel Eto. Non, mais sérieux, voilà. Écoutez attentivement. Je ne vais pas mettre la vidéo parce qu'on va me parler des droits d'auteur. Donc, écoutez attentivement. Mais déjà, nous avons besoin... Je vous montre. ...de rassembleurs. Ça, c'est très important pour notre peuple. Moi, à 37 ans... Aujourd'hui, j'ai connu ce beau pays. Voilà le pin de Paul Biya sur lui. Parce qu'on a toujours connu la paix dans notre pays. Ah, pourtant le Cameroun était en guerre. On a voulu vivre ensemble. On s'accepte toujours. Et au niveau du vote, je n'ai aucun doute pour qui je vais voter. Mais le plus important, c'est que mes frères... Moi, personnellement, je vais voter le candidat président pour Biya. Toutes ces choses qu'il m'a apporté dans ma vie, dans ma carrière, toutes ces choses que j'ai connues. Voilà. Vous avez compris, non? C'est nous qui avions envoyé Eto voter le grand-père Sardina. C'est nous. C'est nous qui l'avons envoyé faire la campagne du grand-père Sardina.
C'est nous? Je demande, c'est nous? Répondez en commentaire. Oh, répondez en commentaire, c'est nous qui l'avons envoyé. Je veux voir les commentaires, hein, s'il vous plaît. Moi, je veux voir les commentaires. Est-ce que c'est nous qui l'avons envoyé? C'est nous? Et je vais vous montrer encore une autre vidéo. Encore, ça c'est ce que j'ai posté sur mon compte TikTok. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo sur mon compte TikTok, allez sur mon compte TikTok et vous allez voir cette vidéo aussi. Écoutez encore, voilà ça. Écoutez encore bien. Écoutez, c'est toujours Eto'o, hein. Donc voilà ça. Attendez, je tourne sur TikTok, je vous montre. Voilà. J'ai posté la vidéo là. Voilà, c'est sur mon compte TikTok, vous pouvez voir. Voilà. N'est-ce pas? Ok. Donc, on va écouter la vidéo. Oh, sorry. Désolé, les gars. On va écouter la vidéo ensemble. Hein. C'était sur France 24. La vidéo est disponible sur mon compte TikTok et sur ma page Facebook. Vous aviez soutenu Paul Biya en 2018. Mm-hmm. Est-ce que vous maintenez ce soutien s'il se représente, par exemple, en 2025? Écoutez, j'ai apporté mon soutien à son excellence, M. Paul Biya, en 2018. Mm-hmm. Pour des raisons qui m'étaient propres, mm-hmm. l'élection approche, laissez-la arriver et je me prononcerai. Mais vous savez que, mm-hmm. jusqu'à preuve de contraire, j'accompagne toujours le président, toujours accompagne le président Paul Biya. Voilà, voilà, hein, hein, le père, hein. Écoutez, j'ai soutenu le président Paul Biya en 2018. Et puis, de toutes les façons, les élections présidentielles arrivent en 2025. Et vous savez que j'ai toujours apporté mon soutien au président Paul Biya. Voilà. Voilà. Et Anna. Et Anna-Maria. Et Anne-Wame. Donc, il a soutenu Biya. Et il dit qu'il va continuer de soutenir Biya en 2025. Au détriment des pleurs du peuple camerounais. Donc, étant donné que c'est comme c'est Eto'o, comme il a botté le ballon, on lui a donné un peu d'argent. Il a passé sa vie à courir derrière un ballon. Il a un passe-droit. C'est-à-dire qu'il a le droit de tout faire. De faire ce qu'il veut. De soutenir qui il veut. Non, sur Facebook, vous n'avez pas besoin de trop entendre, les gars. Ou bien peut-être il y a les nouveaux. Sur Facebook, vous n'avez pas besoin de trop entendre. Attendez, bon, je mets encore pour que vous puissiez entendre. Voilà ça, c'est ça ici. Vous aviez soutenu Paul Biya en 2018. Est-ce que vous maintenez ce soutien s'il se représente, par exemple, en 2025? Écoutez, j'ai apporté mon soutien à son excellence, M. Paul Biya, en 2018, pour des raisons qui m'étaient propres. L'élection approche, laissez-la arriver et je me prononcerai. Mais vous savez que, jusqu'à preuve de contraire, j'accompagne toujours le président, toujours accompagné le président Paul Biya. Voilà, j'espère que vous avez bien vu. Lorsque le SGM... Laisse le père, c'est même pas toi qui m'intéresse ici. Laisse. J'espère que vous avez bien vu. Hein? Tapotez la famille, tapotez, c'est important de tapoter. J'espère que vous avez bien vu, ce n'est pas moi qui dis. C'est Eto'o lui-même qui a choisi délibérément de soutenir la dictature de Popol. Ce n'est pas moi qui dis, c'est lui. Et aujourd'hui, il est victime, n'est-ce pas, des gens que Popol a nommés et de Popol lui-même. Parce que Popol, dans son discours du 10 février dernier, a dit qu'il a donné des hautes instructions pour mettre de l'ordre dans le football camerounais. Il n'a pas dit qu'il a donné les hautes instructions à Eto'o. Il a dit qu'il a donné les hautes instructions au gouvernement et plus particulièrement au ministère des Sports. C'est Popol qui a dit. Oh. Donc quand Popol maintenant met en application, ou alors le ministre des Sports met en application les hautes instructions, parce que c'est bien précisé dans le communiqué du ministre des Sports, il dit que sous haute instruction du président de la République, j'agis au nom du président de la République. C'est le président de la République qui a dit que j'agis au nom du président de la République. Il a mentionné ça au moins 5 fois. Donc, quand Eto'o fait un communiqué pour dire que il ne reconnaît pas et il ne prend pas acte des actions menées par le ministre des Sports,
lesquelles ont, c'est-à-dire ces actions qui ont été validées par le président de la République. Mais c'est ça, c'est grave. C'est-à-dire le gars dit qu'il ne prend pas acte des hautes instructions venant du président Popo. Le Popol, il ne prononce pas bien son nom parce que quand il prononce son nom, bang, on me coupe. Et maintenant, vous allez voir des petits farfelus sur Internet venir là nous dire que ouais, hein, quand ça arrive sur Eto, vous soutenez le régime Biya. Quand ça arrive sur Eto, vous soutenez le régime Biya, les gars. Nous là, moi, personnellement, je soutiens le régime Biya ici là comme ça, comme pian. Vous nous avez dit qu'on ne respecte pas souvent les institutions. Non, maintenant, nous aussi, on demande à Eto de respecter les institutions. On ne l'avait pas envoyé jouer dans la mare avec les crocodiles. On ne l'a pas envoyé signer le pacte avec le diable. Oui, parce que le gars signe le pacte avec le diable pour ses intérêts personnels. Et maintenant, nous, là, on devient les soutiens du régime Biya, alors, dans ce cas. Maintenant, vous, comme vous n'êtes plus les soutiens du régime Biya, parce qu'on est en train d'écraser Eto, eh bien, lancez des manifestations, protestez. Puisque vous dites qu'il y a un complot contre Eto, protestez, les gars. Sortez dans les rues, soutenez Samuel Eto jusqu'à la gare. Nous, là, on va soutenir le régime Biya maintenant à notre tour. Ça vous fait mal, c'est bien. C'est bien. Ça vous fait mal? Vous avez mal? C'est bien. Soutenez Eto. Montrez-nous maintenant comment est-ce qu'on fait l'opposition. Montrez-nous. Servez d'exemple. Montrez-nous maintenant comment on agit quand on fait partie de l'opposition. Parce que là où c'est parti là, si Eto ne capitule pas, c'est la prison directe. Je vous ai déjà expliqué le schéma qui va arriver. C'est la prison directe parce qu'il a lancé un défi à ceux qui sont à Etoudi. Et les gens d'Etoudi là n'aiment pas les défis. Quand tu vois un document arrive, tu entends haute instruction de Popol. Mon frère, obéis. Parce que le Cameroun est le seul pays au monde où le président a le droit de violer ses propres décrets. Et Eto le savait, mais il a quand même soutenu. Quand Eto s'assoit sur France 24, sur toutes les chaînes de télé, il dit que Popol, c'est son père, Chantou, c'est sa mère, Ngongo, le SGPR, c'est son grand frère, Tel, c'est son frère, il a les longs bras de jour comme de nuit, il prend le téléphone, il appelle Popol, à n'importe quelle heure, Popol répond, il a le numéro personnel de Popol, hein, jusqu'à ce qu'il appelle et Popol répond, alors que les propres ministres même de Popol n'ont pas son numéro personnel, parce que Popol, c'est quelqu'un de très cynique. Si un ministre vous dit qu'il a le numéro personnel de Popol, il vous ment. Il vous ment. Popol, c'est quelqu'un de très cynique. Si on vous dit même que Popol connaît même le numéro de téléphone d'un de ses ministres, mon frère, on vous ment. Parce que Popol, lui, n'est pas dans les accointances bizarres là. Popol, c'est quelqu'un que il est assis sur sa chaise. Faites tout ce que vous voulez, mais ne lorgnez pas sa chaise. Si vous lorgnez sa chaise, il va vous nuire. Et s'il donne un ordre, vous n'obéissez pas, il va vous nuire. Et voilà maintenant, Eto, mon gars, Eto. Voilà Ngongo. Ngongo donne les hautes instructions de Popol. Eto dit qu'il ne respecte pas ça. Mais mon frère, vous voulez que moi je vienne dire quoi? Vous voulez que moi je vienne dire quoi? Mais qui m'appelle dans un autre live, non, Maman Jims? Moi, je suis dans mon live ici, on m'appelle ailleurs. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont agitées depuis un certain temps. J'ai même reçu une vidéo encore ici, là, où il y a quelqu'un qui me menace, qui dit qu'il est à Lyon, quoi, on va aller taper ma famille, ou bien on va aller prendre ma famille au pays. Il y a même les gens qui ont fait mes photos partout, ils ont mis RIP sur ça, ils ont mis RIP que je suis mort. Oh, je suis vivant. Donc maintenant, quand tu viens me dire qu'on m'appelle encore dans un autre live, là, c'est pourquoi? Je ne sais pas. Essaye de m'expliquer. Parce qu'il y en a qui, depuis là, on m'a envoyé une vidéo ce matin, une capture d'écran de TikTok, où il y a quelqu'un qui dit qu'il vit à Lyon et qu'il est étonné et qu'il va menacer ma famille au pays que si je viens ou je fais quoi par rapport à la fille qui a menacé les combattants là, ce qu'on va s'attaquer à ma famille au pays et tout. J'ai pris acte, non? J'ai pris acte, sauf que lui-même aussi là, nous-mêmes là, on va se charger de lui. Tout simplement, donc, moi je prends simplement acte. Et puis c'est tout.
Donc, quand tu viens encore me dire qu'on m'appelle dans un autre live, là, vraiment, je ne sais pas ce qu'il veut dire, là, mais bon, dites-leur que je suis en live. Vous voyez un peu. Voilà. La Tontinade Marcel, bonsoir. Faites un maximum de partage sur TikTok. Faites un maximum de partage sur Facebook. Hein? Donc, Eto'o, il soutient un régime autoritaire sanguinaire. Et aujourd'hui, quand le régime autoritaire sanguinaire est en train de le broyer, les gens viennent nous dire là que ouais, vous soutenez maintenant le régime. Je dis que, je dis et j'assume mes propos, je dis que je soutiens le régime là maintenant comme pian. Comme pian. Parce que je vais vous expliquer quelque chose maintenant. Quand on est sorti un peu de la rigolade, je vous explique un truc simple. Dans le contexte actuel, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que les Sardinas sont en train de se bagarrer entre eux. Et ce n'est pas pour l'intérêt du peuple camerounais. Hein. Parce que dans les contrats des entraîneurs, là, celui qui amène l'entraîneur, il a d'abord son dos, il a son argent derrière et c'est des millions. Oui. Donc là, vous voyez comment Eto'o est fâché. C'est parce qu'il est en train de voir ces millions, les millions qu'il croyait gagner derrière les entraîneurs là s'envoler. C'est ça qui l'énerve. Il a déjà mangé certains millions derrière son. Maintenant, il voulait encore plus. Il voulait encore plus parce que je vais vous dire, Hervé Renard n'a jamais demandé 1 600 millions de salaire par an. C'est Eto'o qui a augmenté ce salaire. C'est Eto'o qui a augmenté ce salaire. Vous savez qu'après la CAN en Côte d'Ivoire, on a trop parlé d'Hervé Renard. On dit que c'est un très grand coach qui maîtrise le football africain. Donc Eto'o a voulu jouer parce que Eto'o c'est un joueur de cartes. Il joue les cartes, donc il connaît le Cora. Sauf que Mouel Combine, c'est quelqu'un, c'est un ancien joueur de cartes. Et après avoir joué les cartes, il est parti à l'école. Pendant qu'il était à l'école, il jouait encore les cartes. Et donc, il connaît compter les cartes. Mouel Combine connaît compter les cartes, mon frère. C'est un jeu d'intérêt qui n'a rien à voir avec l'intérêt du peuple camerounais. C'est un jeu d'intérêt entre eux. Et donc, c'est une bataille entre les sardines. Celui qui amène le coach gagne beaucoup d'argent derrière. Donc, Mouel Combine a damé le pion à Eto'o. Eto'o voulait corater, sauf qu'on a contré son Cora. Donc là où Eto'o est là maintenant, l'argent sur lequel il comptait pour faire ses autres business, là, il ne peut pas avoir. Parce que dans le contrat de 1 600 millions l'année de Hervé Renard, là, Eto'o avait au moins 40% dedans. Celui qui vous dit le contraire vous ment. Et dans le contrat que Mouel Combine a signé avec l'entraîneur, lui aussi il a son part de dos dedans. Quand l'entraîneur va prendre son salaire, il va donner pour Mouel Combine et pour tous ceux qui sont autour de sa sélection. C'est comme ça que ça marche. Donc, c'est un jeu d'intérêt entre eux. Et ce qui souffre, c'est l'argent du contribuable camerounais. Et c'est donc à ce moment que nous, là, on entre en jeu. Parce que quand ça concerne déjà les caisses de l'État, ça nous concerne. Si c'était une affaire de que c'est la FECAFOOT qui paye l'entraîneur, ce que nous, on devait se mettre là en train de croiser les bras, on observe. Mais ce n'est pas la FECAFOOT qui paye le sélectionneur. Ce n'est pas la FECAFOOT qui paye le sélectionneur des Lions. C'est l'État du Cameroun. C'est notre argent qui paye le sélectionneur des Lions. C'est l'argent des impôts du pauvre Camerounais. C'est l'argent des impôts de la maman qui vend la banane brisée en route. C'est l'argent des impôts des gens qui vont paye les imports, exports et consorts, qui ouvrent des boutiques, les quincailleries et partout, patati patata. L'argent des impôts que toi, le maçon, tu payes, le menuisier, tu payes, c'est avec ton argent qu'on va payer ce sélectionneur-là. Et c'est donc ce qu'on appelle les caisses de l'État. Et quand l'argent va sortir dans les caisses de l'État, mon frère, nous là, moi surtout là, je deviens, t'as dit, mes yeux s'ouvrent sur ça comme ça. Je dois voir tout ce qui se passe dedans. Oui. Oui, je dois voir tout ce qui se passe dedans. Ah oui! Ça me concerne personnellement parce que c'est aussi mon argent. Namamoni, c'est mon argent aussi. Donc, maintenant là, si Eto'o est trop fâché qu'il nomme un entraîneur, comme son comité restreint d'urgence s'est réuni, tous les vice-présidents, les trois vice-présidents et lui-même, comme ils se sont réunis en conclave et ils ont décidé que Eto'o doit proposer un entraîneur dans les 72 heures, il reste 48 heures. Donc, que Eto'o nomme l'entraîneur, on quitte sur ça, non? Et que la FECAFOOT paye l'entraîneur, on quitte sur ça. Sauf que cette nomination doit être approuvée par l'État du Cameroun. Hein? Sinon, qui va lui donner le visa pour venir au Cameroun? Qui va donner le visa pour venir au Cameroun?
Parce que tu peux nommer l'entraîneur. Nomme Hervé Renard si tu veux. Si tu as les moyens de payer, nomme-le, tu payes. Il n'y a pas de problème. On a dit que tu es milliardaire, donc ça veut dire que tu peux même toi-même payer le coach. Si tu aimes trop l'équipe nationale, toi-même, tu peux sortir. Tu peux avoir pitié de l'argent des caisses du contribuable. Et tu payes le coach toi-même. Hein, et tout. Tu payes le coach toi-même. Et maintenant, quand tu vas nommer, comme on dit que tu nommes là, comme les gens qui t'encouragent te demandent de nommer toi-même un sélectionneur, pour défier l'état du Cameroun là. Moi-même, je t'encourage, mon gars, nomme le sélectionneur et paye-le en avance comme tu as demandé à l'État du Cameroun de payer en avance. Et quand tu auras fini de le nommer et payer, j'espère que c'est toi qui vas lui donner le visa pour qu'il vienne au Cameroun. J'espère que c'est toi qui vas lui donner le visa pour qu'il vienne au Cameroun. Parce que quand vous engagez des batailles là, soyez sûr de ce que vous faites. C'est pour ça que je dis que quand tu t'entoures des médiocres, tu finiras par prendre des décisions médiocres. Voilà un autre médiocre qui a eu une carrière journalistique de médiocrité, Jean Lambert Nan, qui vient dire que, en fait, ce n'est pas Emers Faye qui coachait les éléphants de Côte d'Ivoire, que c'est Hervé Renard qui a mis en place toutes les tactiques de jeu de l'équipe de Côte d'Ivoire jusqu'à ce que l'équipe de Côte d'Ivoire a remporté la CAN. Et donc, c'est pour ça que Eto'o est parti prendre Hervé Renard, parce qu'il sait qu'avec Hervé Renard à la tête des Lions Indomptables, les choses iront bien. Donc, Jean Lambert Nang, le même Jean Lambert Nang qui a dit qu'il y a eu une bagarre au vestiaire, en disant on en a bagarré, et c'est monté, c'est descendu, c'est pour ça qu'on l'a chassé. Le même Jean Lambert Nang, il vient affirmer sur un plateau de télévision que en Côte d'Ivoire, ce n'est pas Emers Faye qui coachait les éléphants de Côte d'Ivoire, que c'est Hervé Renard qui était derrière, dans le noir, en train de donner, n'est-ce pas, les instructions à Emers Faye, que Emers Faye ne sait rien. Donc voilà, et c'est un communicant d'Eto'o, de la FECAFOOT, hein, Jean Lambert Nang. Hein. Et oui, c'est un communicant d'Eto'o. Oui. Ça se coupe trop sur Facebook parce qu'on ne met pas assez de cœur, Sidoine Samodio. S'il y a des gens qui signalent massivement, tu sais que quand on parle des taux, les églisiens sont forts plus que... T'as dit ils sont forts pour signaler, non? Ils sont forts pour signaler. J'ai dit que le... Oh, ils vont seulement gâter ma page. Donc, si vous ne mettez pas les cœurs, c'est normal que ça va se couper. Moi, je sais plus ce qu'ils vont faire avec mes pages Facebook. Remarquez que l'audience est calée. Depuis là, ça arrive, ça cale à 200 et poussière, ça ne descend, ça ne monte plus. Ça descend seulement. C'est justement parce qu'il y a beaucoup de signalements. Ici, là, avant-hier, on était à quoi? À près de 600. Tu vois un peu? Les gars se sont connectés massivement. Ils ont signalé la page. J'ai reçu des notifications, n'est-ce pas, de signalisation de mauvais contenu et consorts hier. Et donc, hier, la page était drastiquement restreinte une fois de plus. Et aujourd'hui encore, je constate que c'est encore plus restreint parce que l'audience ne monte pas quoi que vous fassiez. Donc, la seule chose à faire, c'est mettre les cœurs pendant que vous suivez. Je pense que les cœurs font en sorte que l'algorithme comprenne que le contenu est apprécié par un bon nombre de personnes. Voilà. Vous voyez un peu? Non, Larry Fenty, c'est des gros menteurs. C'est des manipulateurs. Et c'est là où je suis en train de vous démontrer le cynisme de ces personnes. Ils vont jusqu'à mentir. Pour rabaisser Emers Faye. Donc pour eux, Emers Faye n'avait pas le niveau de coacher l'équipe de Côte d'Ivoire jusqu'à les amener à la victoire. Donc en fait, c'est pour justifier le fait qu'ils sont allés prendre Hervé Renard et que Hervé Renard va coûter 1,6 milliard par an de salaire à l'État du Cameroun. Vous voyez à quel niveau les gens là sont cyniques au point de rabaisser, de chercher à rabaisser quelqu'un qui vient de remporter la Coupe d'Afrique des Nations. Quelqu'un dont on a vu les performances. Quelqu'un qui a pris l'équipe en main en pleine compétition. Il a changé les tactiques de jeu. On l'a vu, nous-mêmes, de nos propres yeux, quelque chose qu'on a vu en direct. Un gros sorcier vient sur un plateau télé dire que ce n'est pas lui qui travaillait. Que c'est un blanc. Parce que pour eux, c'est toujours les blancs qui sont mieux. Que c'est un blanc qui a fait tout pour que les gars gagnent. Vous voyez? C'est des gens comme ça.
C'est des gens comme ça. Il n'y a personne autour de Samuel Eto'o à la FECAFOOT qui vaut quelque chose. Tout cela, c'est des vauriens à tous les niveaux, les plus médiocres dans tout leur domaine. Quand vous voyez d'abord quelqu'un de sérieux, prendre Ernest Obama, mettre à côté de lui, ça ne vous dit rien. Quand nous tous, on sait que Ernest Obama est un indic, l'un des plus pires indics qui existent sur la planète, au Cameroun là-bas. Un indic. On ne sait pas où Ernest Obama a eu son diplôme de journaliste. L'un des pires, l'un des gars les plus détestés, les plus tribalistes. Quelqu'un qui a appelé à éradiquer une tribu. C'est la personne-là que Eto'o prend, il met à côté de lui. Il dit que c'est son porte-parole. Ernest Obama, c'est quelqu'un qui a appelé à éradiquer les anglophones au Cameroun en plein direct sur son plateau télé de Vision 4, quand il travaillait encore à Vision 4. Il a justifié le fait qu'on doit, on doit tuer tous les anglophones du Cameroun. Ernest Obama. Les vidéos sont encore là. C'est quelqu'un comme ça là que Samuel Eto'o prend, il met à côté de lui après sa campagne, il dit que c'est son porte-parole. Quand il s'entoure de ce genre d'individus-là, vous pensez qu'il va produire quel résultat? Quand vous voyez Jean Lambert Nan qui a passé sa vie à faire le vuvuzela, il dit qu'il est journaliste, mais il passe sa vie à faire le vuvuzela. Le vuvuzela, tout ce qu'il savait faire, c'est dire Paul Biya est un bon président, Paul Biya est un bon président, Paul Biya est un bon président. Aujourd'hui, à sa retraite, un vaurien de son état, à sa retraite, il n'a rien, tout. Il se retrouve maintenant en train de faire le vuvuzela de Samuel Eto'o. Après, il va dire, j'ai fait des études de journalisme. Quel est ce journaliste qui n'arrive pas à être objectif dans sa vie? Pour une seule fois dans sa vie, il n'a jamais été objectif. C'est quelle école de journalisme qu'il a fait? Hein? Allez voir les juristes qui sont autour d'Eto'o, là-bas à la FECAFOOT. Toutes les personnes qui avaient une tête, qui pouvaient apporter quelque chose à la FECAFOOT, ont démissionné. Tous. Ils ont démissionné parce qu'ils ont osé s'opposer à certaines décisions qu'Eto'o voulait prendre et qui allaient à l'encontre de leur éthique. Parce que ces personnes ont osé dire à Eto'o, mais non, on ne fait pas comme ça. Le gars a voulu les envoyer en prison. Parce qu'il n'aime pas qu'on lui dise non. Même quand il a tout faux. Et quelqu'un comme ça, vous attendez à quoi? Donc vous voulez que quand le régime qu'il a encouragé à écraser les Camerounais commence à l'écraser lui-même, moi, je vais venir le soutenir. Non, je vais soutenir le régime. Il va subir. Et il doit être là. Il doit assumer ses choix, en fait. Quand on est grand, c'est qu'on assume. Moi, j'assume la lutte anti-Biya que je mène. J'assume ça jusqu'à la lutte anti-régime Popol. J'assume ça jusqu'à... C'est pour ça que je ne me cache pas. Vous m'avez déjà vu faire les vidéos et me cacher. Je ne me cache pas. Et il y en a qui se sont donné pour mission sur Internet d'envoyer nos informations au régime Biya. Je vais vous dire que le régime Biya n'a pas besoin de vous pour avoir nos informations parce qu'ils ont nos informations. Ils ont nos informations comme nous, on a leurs informations. À cause de nous, Popol n'annonce plus. C'est-à-dire que maintenant qu'il a encore la possibilité de sortir du Cameroun pour aller en Europe, là, il n'annonce plus comme ils annonçaient avant. Vous allez seulement entendre le président de la République se déplace pour un court séjour privé. Le gars ne dit plus où il part. Parce qu'il sait que s'il tente de dire là où il part, il va nous trouver là-bas directement sur son lit d'hôtel. Directement. Donc, à cause de nous là, un président de la République se déplace en cachette. Il se déplace en cachette. Et même quand il veut se déplacer en cachette, là, il demande d'abord la sécurité intensive et renforcée du pays dans lequel il veut se déplacer. Un président de la République qui quitte son pays sans dire là où il part. Parce qu'il a peur de ses compatriotes. Et vous allez voir des petits farfelus sur Internet qui viennent, ils font les vidéos, ils disent que nous, on envoie vos informations à l'ambassadeur, on va envoyer vos informations au ministre de l'Intérieur, on va envoyer vos informations dans tous les pays où vous vous trouvez, on va envoyer vos informations. On n'a pas besoin de ça.
Parce que ces gens-là, ils nous connaissent. Vous leur annoncez qu'on a des familles au pays, ils connaissent nos familles. Ils connaissent. C'est pour ça qu'ils refusent de nous établir des passeports. Et ça, je m'adresse encore à ceux qui nous demandent de venir au Cameroun. Non, vous brûlez les étapes. Demandez d'abord, allez d'abord demander aux gens-là de nous donner des passeports. Hein? Allez demander aux gens-là de nous donner les passeports, qu'on vienne au pays. Ils nous empêchent, donc on voit. Et on va venir au pays là. Donc, vous ne pouvez pas nous empêcher de voyager et venir sur Internet nous dire, venez dans au pays, on voit. Venez dans au pays, on voit. C'est un peu comme l'enfant qui provoque. Après, il court, il passe caché dans les, derrière les jupes de sa mère ou bien dans les jupes de sa mère. Il commence à dire, viens allons voir. Viens allons voir. Vous vous rappelez un peu des enfants comme ça là à la maternelle, non? Donc, il est là peureux, tout peureux, tout peureux. Dès qu'il voit son père ou sa mère arriver, il court, il passe caché dans les jupes de sa mère, il commence à provoquer les autres. Il dit que, il commence à faire que je suis congolais. C'est exactement ce que vous faites. Que venez ici au Cameroun, on voit. Venez ici au Cameroun, on voit. Demandez-leur de nous donner les passeports et on va venir là-bas. Si vous voulez vraiment qu'on vienne au Cameroun, demandez-leur de nous donner nos passeports. Pourquoi les gars bloquent nos passeports? Ils sont tellement lâches qu'ils refusent de nous donner les passeports. Parce qu'ils savent de quoi nous sommes capables. Non, ce n'est pas vous les petits. Je vous dis toujours, si vous êtes venus en Europe étudier, venez étudier. Oh. Finissez d'étudier, allez servir votre pays, puisque le grand-père là est très bien pour vous avec son système. Ok, venez étudier en Europe, allez servir votre pays. Si vous voulez même vanter votre pays tranquillement. Nous, on ne va jamais s'intéresser à vous. Mais si vous essayez de faire comme si vous voulez venir nous menacer ou bien avec vos petites intimidations à deux balles que y a, j'ai envoyé l'email, on va faire les pétitions, on va signer, on va faire ceci. C'est que vous êtes en train de vouloir nous montrer que vous existez. Et là, on va vous prendre en considération et vous allez servir de leçon. C'est ça. Je vois les pleurs de partout là depuis ma vidéo d'hier, là où j'ai parlé de cette petite sorcière. Je ne sais pas trop si c'est une sorcière ou c'est une vampire, ou on l'appelle Apocalypse. Quand quelqu'un prend déjà d'abord le nom d'Apocalypse là, je vais te montrer que ton nom ne définit même pas ce que tu es. Moi, je suis plus Apocalypse que toi. Comme vous êtes déjà là en train de pleurer, pleurer jusqu'à je vois les autres dire, tu as tout notre soutien, tu as tout notre soutien. J'espère que quand tu vas te retrouver au Cameroun, ils vont te soutenir. Parce que Billy Akeley ne le soutiennent pas. Jusqu'aujourd'hui, Billy Akeley dort dehors. Billy Akeley fait les vidéos tous les jours pour dire, ouais, aidez-moi, je dors dehors. Personne d'entre eux ne soutient Billy Akeley. Et les gars vont te noyer. Je t'ai donné un conseil hier. Je t'ai dit que tu ferais mieux de t'excuser et de te mêler de tes affaires. Si tu veux, fais des vidéos live. Encense le régime de Popol. Aime le régime de Popol comme tu veux. C'est ton problème. C'est ton problème avec ta conscience, avec le régime de Popol. Mais si tu veux nous attaquer, si tu veux nous attaquer, on va te considérer comme une ennemie. Et on va te traiter tel quel. Je le dis encore ici. Et je le dis à toutes les personnes qui s'amusent à vouloir jouer les personnes qui viennent sur Internet nous menacer. Parce que quand on prend nos téléphones, on dépose là, c'est pour décrypter la bêtise du régime de Popol. On ne vous a jamais prononcé, ni indexé. Et si vous vous sentez trop grand pour venir vous attaquer à nous, eh bien vous allez subir les conséquences. Parce que jusqu'à preuve du contraire, nous sommes dans la riposte. Nous sommes dans la riposte. C'est vous qui êtes venu nous provoquer. J'entends l'autre, elle dit qu'il y a une qui part sur les plateaux, elle dit que les francophones tuent les anglophones, elle est machin, donc elle va signaler celle-là, elle va faire ceci, elle va faire cela. Elle dit ça. Tu ne sais pas qu'il y a une guerre au Cameroun. Tu ne sais pas que le régime Biya a déclaré la guerre à son propre peuple. Est-ce que tu as organisé une manifestation pour dire non à la guerre dans ton pays? En soutenant le régime de Popol, tu soutiens la guerre contre tes frères, que tu appelles tes frères anglophones. Parce qu'ils sont en train de faire une guerre contre les anglophones au Cameroun. Et cette guerre contre les anglophones-là ne date pas d'aujourd'hui. C'est pour ça que quand j'entends les enfants dire qu'ils sont à l'université, ils ne connaissent même pas les détails de l'histoire de leur pays. Même pas l'histoire de leur pays d'ailleurs. Moi, ça me fait trop marrer. Vous avez eu vos diplômes où? Vous êtes parti à l'école là où on vous a enseigné que Christophe Colomb a découvert l'Amérique. Que Magellan a fait le tour du monde. C'est ça. C'est votre école là-bas. Que Napoléon est monté, Napoléon est descendu.
Et après, vous venez dire que je suis à l'université, je suis à l'université, vous ne connaissez même pas les racines de l'existence de votre pays. Vous ne connaissez même pas. Et au lieu de vous renseigner sur ce qui se passe dans votre pays, vous préférez venir sur Internet parce que vos langues grattent. Et vous commencez à menacer, chercher à intimider les gens. Et quand il y a la riposte en face, vous commencez à dire qu'on vous menace, on vous intimide, nous sommes violents, nous sommes ceci. Montrez-moi à quel moment est-ce que j'ai déjà prononcé un jour le nom d'une certaine farfelue quelque part qui s'appelle Apocalypse. Je ne la connais ni d'Adam ni d'Ève, nulle part. Jamais entendu parler. Jamais entendu parler. Elle est ministre, non. Donc elle ne m'intéresse pas. Jamais entendu parler. Mais quand on m'envoie des vidéos là où l'individu nommé Apocalypse, machin chouette, menace quelqu'un parce que la personne se plaint du régime de Popol, j'ai envie de demander à ce ou bien cet Apocalypse-là, tu es ici là en Europe pour fréquenter ou bien tu es là pour espionner les gens, prendre leurs informations et transmettre au régime de Popol. Parce que c'est exactement ce que tu as fait. Et ça, c'est pénalement répréhensible, ici, là, en Europe. Ça ne joue pas. Tu prends les informations des gens et tu transmets à leur gouvernement, sachant très bien que ce gouvernement recherche ces personnes pour leur faire du mal. Tu le sais, que si cette personne se retrouve entre les mains du gouvernement de Popol, cette personne va mourir. Tu le sais. Mais tu dis quand même sur Internet que tu transmets les informations de la personne à ce régime. Ben oui, soyez souvent prêts à assumer vos actes. C'est pour ça que je me demande encore une fois de plus, comment est-ce que vous avez fait pour arriver à l'université? Parce qu'un universitaire, c'est quand même quelqu'un qui est capable d'utiliser ne serait-ce qu'une petite partie de son cerveau. Et quand quelqu'un est capable d'utiliser une petite partie de son cerveau, il ne commet pas autant de bêtises. Même quand tu veux faire ce genre de choses-là, tu le fais en cachette. Tu le fais en cachette. Parce que même le pays dans lequel tu te trouves, nous, on n'a même pas besoin d'agir. Il suffit que les services publics du pays dans lequel tu te trouves tombent sur ta vidéo et t'identifient. Tu es mal barré. Nous, là, on n'a pas besoin d'agir. Il suffit que quelqu'un d'une ONG humanitaire qui s'occupe peut-être des affaires de demandeurs d'asile ou bien de protection internationale, et trucs comme ça, là, tombe sur ta vidéo là ou ton audio là. Nous, on n'a pas besoin de poser les actions. Ces gens-là vont se charger de ton cas. Je te prends l'exemple comme les gens peut-être d'Amnesty International, par exemple. Si eux, ils tombent sur ton truc là, tu es mal barré. Tu es mal barré. Ben oui. Ben oui. Donc les gens qui s'amusent toujours à venir dire que, ouais, écoutez, nous, on va vous faire X. On va vous faire Y. C'est monté, c'est descendu. Nanani, nanana. Moi, personnellement, je serai en France très prochainement. Et quand je serai en France, je vais aller à Lyon. Et il y a quelqu'un là qui a dit que si je veux, il me donne son adresse. Et donc, je demande, pardon, donne-moi ton adresse. Viens dans mon inbox TikTok, écris-moi juste ton adresse. C'est tout ce dont j'ai besoin. Parce que j'ai reçu ta vidéo, par exemple, dans ta vidéo... J'ai reçu ça, je sais pas, j'ai mis ça où. Bref, je vais regarder ça encore tout à l'heure. Tu as dit que si je veux, tu donnes ton adresse. On m'a envoyé une partie là. Tu as dit, si je veux, tu me donnes ton adresse. Donc, j'ai juste besoin, donc je demande, s'il te plaît, donne-moi juste ton adresse. C'est tout. Voilà. Ouais, non, Saitama, eux, ils croient que nous sommes au Cameroun ici. Donc, les gens sont en train de lutter contre un gouvernement. Vous, vous êtes sur Internet pour collecter leurs informations et envoyer à ce gouvernement-là pour qu'on les arrête, on les tue. C'est ça. Vous ne savez pas qu'il y a beaucoup d'opposants qui ont été tués par le gouvernement camerounais en Europe et aux États-Unis. Vous ne savez pas ça. Ce que vous faites là, on appelle ça de l'espionnage. Vous ne savez pas ça. Donc, il faut toujours qu'on vous renseigne sur votre niveau de stupidité. Voilà. Et donc, mes chers frères, comme je vous ai dit aujourd'hui, et je ne m'en cache pas d'ailleurs, je vous le dis, vous pensez qu'on se cache, je ne me cache pas. Aujourd'hui là, je soutiens le régime Biya.
Moi-même, je vais soutenir le régime Biala Piang. Comme ça, là, on va voir ce que ça va donner. Vous pensez que quand vous dites que vous, oh, on soutient le régime Bia, quand on ne sera jamais président, ceci, jamais un Bamileke au pouvoir, maintenant, vous pensez que vous faites du mal à qui? Vous faites du mal à qui, à nous? Voilà le régime Biala maintenant qui est en train d'écraser votre Dieu sur terre, Samuel Etono. Je soutiens le régime Bia. Quand deux sardines se battent, notre rôle c'est de mettre le feu. Et j'invite tout le monde ici, mettez d'abord en commentaire fire! 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 Mettez le feu. Fire! Mettez le feu. On va mettre le feu. La boîte de sardines là va bouillir. Ça va bouillir et toutes les sardines qui sont à l'intérieur vont cuire. Et quand ça va cuire, nous-mêmes on va manger la sardine là. Dans du bon pain. On va chopper la sardine là. Vous doutez. Mais c'est quand même curieux. Hein? Et j'attends que les gens viennent me répondre. Quand Eto va nommer les sélectionneurs, le sélectionneur, le staff technique, là, j'espère que ce sera même des Camerounais. J'espère. Et j'espère qu'il est prêt à payer leur salaire. Parce qu'il ne va pas nous imposer quelque chose à nous, le peuple camerounais. L'argent sort de nos poches. Et c'est un petit farfelu à la tête d'une fédération qui va nous imposer. Non. L'argent sort de nos poches, c'est nous qui décidons. C'est l'État du Cameroun qui décide. Ce n'est pas toi et tout. Non, non, c'est pas toi. L'argent sort de nos poches. Si on t'a donné la gestion, on t'a confié la gestion de l'équipe nationale, ça ne veut pas dire que tu as un passe-droit. Non, 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 non. L'équipe nationale nous appartient. Ça appartient au peuple camerounais. C'est un patrimoine national. Ce n'est pas une affaire qui dépend d'une fédération ou même de la FIFA. L'équipe nationale de football du Cameroun est un patrimoine national. Ça appartient à l'État du Cameroun, c'est-à-dire à tous les Camerounais. Et c'est pour ça que les sélectionneurs qui sont à la tête de l'équipe nationale du Cameroun sont payés par l'argent du contribuable camerounais et non par l'argent de la FECAFOOT. Et quand le ministre veut nommer un sélectionneur à la tête de l'équipe nationale du Cameroun parce qu'il estime que tu as été incapable de jouer ton rôle normalement, eh bien, il le fait. Ça ne veut pas dire que le gars s'ingère dans les affaires internes de la FECAFOOT. Le ministre n'a jamais pris une décision concernant un club. Le ministre n'a jamais pris une décision concernant les affaires, la cuisine interne de la FECAFOOT, non. Le ministre prend une décision concernant l'équipe nationale de football, qui est un patrimoine national, qui est une propriété exclusive de l'État, dont la gestion a été remise entre les mains de la FECAFOOT. Ceux qui ne savent pas ça, c'est leur problème. Ce qui appartient à l'État du Cameroun, il revient à l'État du Cameroun de prendre des décisions sur ce qui appartient à l'État du Cameroun. Nobiso, voilà. Donc maintenant, moi, je vais prendre l'antenne. J'ouvre l'antenne un peu sur TikTok là. Parce qu'il y a beaucoup de choses que nous, on veut comprendre. Et s'il y a quelqu'un qui peut venir nous expliquer pourquoi est-ce qu'on doit soutenir et tout, que la personne vienne nous expliquer. Alors, le King, on t'écoute. King, on t'écoute. King, on t'écoute. King, on t'écoute. Oh, il a coupé. Mais MB Moses, prends la parole, non, mon frère, ou bien l'homme lion, prenez la parole. Le ministre travaille bien. J'ai dit que je soutiens le régime Bia. Je soutiens maintenant Bia. C'est mon droit, non? Quand Eto a dit qu'il soutient le régime Bia, vous avez dit que c'est son droit, non? Moi aussi, je ne suis pas Camerounais et je ne dois pas soutenir le régime Bia. Pourquoi? Moi aussi, je soutiens le régime Bia maintenant. Ah, d'accord, King, ok, il n'y a pas de souci. Moi aussi, est-ce que je me cache? Je soutiens le régime Bia. Faites ce que vous avez à faire. Faites ce que vous avez à faire. Pomba, ayop, ayop, merci beaucoup, synthétique. Je soutiens le régime Bia jusqu'à... Faites ce que vous allez faire. On va écraser. On va... Parce que moi... Arrêtez de faire le deux poids, deux mesures. Parce que ce que vous faites là, ce sera nocif même pour votre propre santé mentale. En 2018, Eto'o a battu campagne pour Paul. Vous n'avez pas trouvé problème à ça. Vous avez quand même, malgré votre souffrance, vous avez trouvé le moyen de le soutenir. Vous avez trouvé le moyen de le soutenir.
Voilà. Vous avez trouvé le moyen de le soutenir. Donc aujourd'hui, moi aussi, je vous dis, je soutiens aussi le régime Biya. C'est tout. Ça vous fait mal. Ça vous fait mal. MB Moses prend la parole. Oh, il me dit qu'il y a les textes et que c'est Eto qui va nommer. Prends la parole, tu viens nous dire ça ici. Arrêtez d'être lâche. Il y a les textes. Viens nous expliquer les textes là ici. Donc maintenant, aujourd'hui, au Cameroun, on doit respecter les textes. Hein. Est-ce que tu sais qu'il y a des gens qui sont en prison au Cameroun pour 7 ans alors qu'ils n'ont violé aucune loi? Vous ne vous êtes pas battu pour que les textes de la République soient respectés. Quand les opposants veulent manifester, on impose aux opposants de ne pas manifester. Alors que la Constitution donne le droit et le plein pouvoir aux opposants de manifester. Sans avoir besoin d'autorisation, parce que nous sommes sous un régime de déclaration. Tu déclares la manifestation et la police t'accompagne dans la manifestation. On encadre la manifestation pour éviter les débordements. Voilà, MB Moses est courageux. Il a pris la parole. Écoutons-le. Les textes. MB Moses, on t'écoute. Tu parles de quel texte qui donne le pouvoir à Eto'o de nommer un entraîneur? Bonsoir, Max. Bonsoir. Nous ne pouvons pas être d'accord sur certains points, mais sur ce point, Eto'o a raison à 100%. Et même si Eto'o a supporté le régime, cela ne veut pas dire qu'il doit tout supporter. Non, MB Moses, Eto'o n'a pas raison. Eto'o n'a pas raison. Dis-nous pourquoi est-ce qu'il a raison d'abord. Eto'o a raison parce que c'est les textes de la FECAFOOT disent que c'est l'équipe, c'est la FECAFOOT. Les textes disent que c'est le coach. C'est la FECAFOOT qui quel texte qui nomme le coach. Quel texte? Les textes de la FECAFOOT. Mais lis-nous alors le texte là ici. Non, je n'ai pas les textes, mais. MB Moses, tu es en train de parler là, n'est-ce pas, de l'article 384 de 2014. Sauf que après ça, c'était un décret, hein, c'était un décret présidentiel, mais il y avait un flou dans la nomination du sélectionneur national. Il y a donc eu en 2015, une convention entre la FECAFOOT et l'État du Cameroun via son ministère des Sports. Et donc, un accord a été signé via cette convention et des articles ont été publiés. L'article 9, précisément, dit que recrutement et salaire des membres des structures d'encadrement. Les membres des structures d'encadrement des sélections nationales de football sont recrutés, soit sur la base d'un contrat signé avec le président de la Fédération camerounaise de football, après avis obligatoire du ministre chargé des sports, soit sur la base d'une mise à disposition de l'État. Donc, ça, ce qui veut dire que le président de la FECAFOOT peut signer un contrat pour un sélectionneur, mais après l'avis du ministre chargé des Sports. Par contre, l'État peut décider de mettre à la disposition de l'équipe nationale un sélectionneur. Là, c'est complètement différent. Donc, le président de la FECAFOOT n'a aucun pouvoir de signer un contrat à un sélectionneur et demander à l'État du Cameroun de sortir l'argent des caisses de l'État du Cameroun pour payer ce sélectionneur. Si la FECAFOOT avait le pouvoir de signer le contrat avec un sélectionneur, la FECAFOOT devait être celui qui paye le sélectionneur. Dans ce cas, Eto'o devait avoir raison. Mais quand c'est l'État du Cameroun qui paye le sélectionneur, un président de FECAFOOT ne peut pas prendre une décision au nom de l'État du Cameroun. Une décision qui va piocher dans les caisses du contribuable du Cameroun. Logiquement, vous trouvez ça normal? La FECAFOOT, c'est quoi? C'est pas le Cameroun. Oh, ben voilà. Donc aujourd'hui, la FECAFOOT, c'est le Cameroun. La FECAFOOT est une association de droit privé, monsieur. C'est une association de droit privé. Et si la FECAFOOT gère l'équipe nationale, c'est parce que l'État du Cameroun lui a confié la gestion de l'équipe nationale du Cameroun. Parce que l'équipe du national du Cameroun est un patrimoine national qui appartient exclusivement à l'État du Cameroun, c'est-à-dire à toi, à moi, à nous. C'est pour ça que l'équipe nationale du Cameroun, c'est-à-dire le sélectionneur à la tête de l'équipe nationale du Cameroun, est payé par l'argent du contribuable camerounais, par l'argent des impôts. Par contre, la FECAFOOT gère les clubs. La FECAFOOT gère le football local au Cameroun et tout ça. Et donc, les footballeurs des clubs et consorts sont payés
par des poches privées et par le financement de la FIFA. Quand il y a des compétitions mondiales, maintenant la FIFA peut donner un petit argent pour les primes des joueurs de l'équipe nationale. Mais en ce qui concerne le salaire, c'est l'État du Cameroun qui sort l'argent de ses caisses. Alors expliquez-moi comment l'État du Cameroun est celui qui paye le salaire d'un sélectionneur, mais le contrat du sélectionneur doit être signé par le président d'une fédération qui n'a strictement rien à voir avec le peuple camerounais. Ça n'a aucun sens. Bon, pourquoi donc lui a donné 72 heures de trouver un entraîneur? Ça, c'est entre eux là-bas. Dis-moi un peu, qui va payer l'entraîneur que Eto'o va nommer? C'est l'État du Cameroun. Pourquoi l'État du Cameroun doit payer cet entraîneur? Puisque l'entraîneur vient au compte de qui? Il vient au compte de l'équipe nationale du Cameroun. Ah bon? Bien sûr, l'entraîneur vient au compte de l'équipe nationale du Cameroun. Moses, est-ce que toi-même tu t'entends parler? Oui, je m'entends parler. Attends, est-ce que la FECAFOOT, lui, malgré qu'elle soit une institution privée, comme tu l'as dit, parce que je ne pense même pas qu'elle est privée à 100%, elle doit être peut-être parapluie. Pas la gestion de l'équipe nationale du Cameroun, n'est-ce pas? L'État a le droit d'ingérence dans ce qui concerne la gestion de l'équipe nationale du Cameroun, parce que l'équipe nationale du Cameroun est gérée par la FECAFOOT. Parce que l'État du Cameroun a confié cette gestion à la FECAFOOT. Et donc, ce qui concerne l'équipe nationale du Cameroun, l'État a un droit de regard dessus. C'est quelque chose de tout à fait normal. Quand l'État décide pour l'équipe nationale du Cameroun, la FECAFOOT n'a rien à dire. Elle se tait et elle suit les ordres. C'est comme ça que ça fonctionne. Malheureusement, tel n'est pas le cas. Parce que si c'était le cas, et toi, allez fermer sa bouche. Mais justement, il ne sait pas. Il ne sait pas. Et c'est pour ça que je dis qu'il est entouré de médiocres. Parce que tu ne peux pas m'expliquer que quelqu'un dit qu'il est entré en conflit avec l'État du Cameroun. Et il va aller choisir un sélectionneur pour que l'État du Cameroun paye. Pour que l'État du Cameroun octroie un visa à ce sélectionneur. Qu'est-ce qui oblige l'État du Cameroun à le faire? Non, je ne sais pas si... mais il l'oblige parce que l'État du Cameroun... Il est là pour ça. Non, 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 non. Non, non, non. Non, 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 non. Et tout s'engage sans raison. Non, justement, lui-même, il ne comprend pas ce qu'il est en train de faire parce qu'il est mal conseillé, c'est tout. C'est ce qu'on dit depuis. Je t'ai posé quelques questions. Tu dis bien que c'est l'État. Attends, Moses. Moi, je ne suis pas juriste, mais je ne pense pas qu'avec tous les juristes à l'équipe nationale, à la FECAFOOT, ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Tu sais, oh là là, Moses. Renvoie ta demande, Moses. Désolé, renvoie ta demande. Parce que l'autre n'arrive pas à se connecter. Renvoie ta demande, Moses. Tu es tombé par erreur. Tu es tombé par erreur. Renvoie juste ta demande. Voilà, Moses. Moses, n'est-ce pas quand tu as commis une faute et que tu vas au tribunal, est-ce que tu as vu un avocat qui refuse de te défendre? Non. Même quand tu es coupable, l'avocat te promet toujours qu'il va te défendre, non? Mm-hmm. Voilà, donc c'est exactement les commerçants qui sont autour des taux. Ils sont en train de l'induire en erreur. Parce qu'eux-mêmes, ils savent très bien que sur la base de la simple logique, c'est l'État du Cameroun qui est propriétaire de l'équipe nationale du Cameroun. La FECAFOOT n'a aucun droit. Je dis bien aucun droit. Et Eto'o lui-même lui a dit, Eto'o lui-même avait dit ça dans une interview, que en ce qui concerne l'équipe nationale du Cameroun, les décisions viennent plus du ministère des Sports. Que la FECAFOOT ne prend presque aucune décision en ce qui concerne l'équipe nationale du Cameroun. C'est pour ça que quand Eto'o veut un entraîneur à la tête de l'équipe nationale du Cameroun, il envoie les propositions au ministère des Sports et le ministère des Sports valide ou pas. Oui, c'est comme ça. Mais pourquoi tu dis que Eto'o veut un entraîneur à l'équipe nationale? Parce que l'équipe nationale ne l'appartient pas. Il a quel rapport avec l'équipe nationale? Parce qu'il est le gestionnaire. Il gère l'équipe nationale. Parce qu'on lui a confié, on a confié à la FECAFOOT et il est le président de la FECAFOOT. Donc il gère l'équipe. Sauf que quand tu gères quelque chose, ça ne veut pas dire que la chose là t'appartient. L'équipe nationale, ce n'est pas la chose de la FECAFOOT. Bonsoir. Oh là là. Et Moses, ton micro. Bonsoir, King Joël. Bonsoir, Oui, bonsoir. On t'écoute, King Joël. C'est bon? Oui, ça va. Ouais.
Premièrement, si j'interviens actuellement, c'est parce que je vais suivre Olympe là tout à l'heure. Il y a un mauvais bruit de fond là-bas derrière toi. Où c'est les grillons ou où c'est les criquets qui crient? On n'entend rien. On entend seulement les sifflotements. Chuin, chuin, chuin. Et ça fait mal aux oreilles. Oh là 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 là. Connexion perdue. On ne peut pas te suivre. On n'arrive pas à t'écouter. Voilà, là c'est bon. Vas-y, vas-y, essaye encore. Oh là là. Alors, Wilfried, on t'écoute, Wilfried. Bonsoir, monsieur Mas. Bonsoir. C'est un peu compliqué. Moi, je vais à peine de me connecter. En même temps, je suis tombé sur votre direct. J'aimerais intervenir. Je vous suis depuis la Côte d'Ivoire. Et en ce qui concerne les sujets, pas forcément sur les réseaux, mais quand vous donnez vos avis, moi, en tout cas, ça me plaît parce que vous êtes toujours dans la vérité. Ce que les gens, ils n'arrivent pas à comprendre, c'est qu'on ne peut pas finir meilleur une légende dans le foot et puis être un bon dirigeant. Les gens, ils ne savent pas ça. Nous, on a voulu essayer ici avec Didier Drogba. Ça n'a pas marché. Et jusqu'à présent, les Camerounais n'arrivent pas à réaliser que Eto, on ne peut pas dire qu'il est comme une marionnette, mais à quelque part, il y a des gens qui sont au-dessus de lui. Donc, toute décision qu'Eto doit prendre forcément, il y a des gens qui doivent aviser. Jusqu'à présent, les fans d'Eto n'arrivent pas à comprendre ça comme ça. Et moi, ce que je voulais ajouter par rapport à votre discours, par rapport à ce qui se passe un peu à l'Afrique Foot, ça serait très compliqué si les gens ne se mettent pas ensemble pour suivre la logique, ce qui est vrai, pour aider le football camerounais, ça serait tellement compliqué. Ce que je voulais ajouter aussi, c'est que à un moment donné, il faut comprendre que l'échec d'une nation touche presque toute la population, même ceux qui ne sont pas avec toi. Parce que quand les gens ils déboursent beaucoup d'argent, que vous partez compétir, c'est toute la population qui a alerté pour dire « Ah, aujourd'hui, les gens vont nous représenter. Il y a peut-être dans le staff 50 personnes. Sur le terrain, il y a peut-être 12, 11. Toutes ces personnes qui vont se déplacer, avec y compris les supporters, pour aller peut-être en Europe, en Afrique, pour une compétition, c'est tout un pays qui représente. Donc, quand ça ne va pas, tout le monde est touché. Et tout ce que nous devons chercher à savoir, à faire, c'est de se mettre ensemble et puis chercher ensemble la meilleure solution pour faire avancer les choses. Mais là, il n'est même pas question de vouloir dire que ah, nous, on est du côté du ministère ou soit on est du côté de l'Africa Foot. C'est un peu ce que tu venais de dire. L'Africa Foot, quand l'Africa Foot doit prendre des décisions, c'est forcément le ministère des Sports. Et le ministère des Sports aussi, honnêtement, adresse peut-être un courrier au chef de l'État et ensemble, les gens, ils décident de ce qui doit se passer. Mais si jusqu'à présent, il n'y a pas de solution concernant l'entraîneur qui va guider l'équipe, honnêtement, moi, je pense que le problème, c'est Samuel Eto'o. Parce qu'à quelque part, quand on suit un peu les vidéos sur TikTok, y compris Facebook des Camerounais, il y a certains qui disent que le salaire est un peu trop élevé à cause et ils vivent une situation un peu compliquée au Cameroun. Mais quand ils regardent un peu le salaire qu'Hervé Renard demande pour pouvoir diriger l'équipe camerounaise, ils ne sont pas d'accord. Et quand tu analyses un peu, il y a un peu de magouille derrière. Parce que une fois qu'un président... par exemple, la FIFA comme ça, quand ils ont fait venir Jean-Luc Gasset, la somme qu'il prenait était plus élevée que celui qui l'a remplacé, qui était ivoirien. Donc, à quelque part, s'il y a des gens qui peuvent nous aider puis prendre peu, ça, c'est ce que les gens ils recherchent. Maintenant, le reste, si vous pouvez faire créer des activités pour pouvoir maintenir la jeunesse, à ne pas prendre le désert, prendre la mer, ça serait meilleur pour tout un pays, y compris même un continent. Mais si vous allez prendre pour vous vos poches, allez prendre des gens, signer des papiers, faire comprendre au ministère, vous dites que c'est les Blancs, c'est mis chez eux, eux ils sont bien, tout ce qu'ils font est bien, et puis leur proposer des sommes, des grosses sommes, faire un deal en retour, et la population, et ceux qui vous supportent, ceux qui vont acheter des maillots, ceux qui vont remplir des stades, qu'est-ce qu'ils deviennent? Ils prennent quoi pour aller acheter vos maillots? Ils prennent quoi pour aller vous supporter? Par exemple, si on doit se déplacer de Douala à Yaoundé pour aller regarder un match, mais il faut payer le transport, il faut payer les billets. Il faut avoir peut-être un maillot. Il faut avoir quelque chose pour ton séjour. Maintenant, si toutes ces sommes-là, les gens elles doivent quitter en Europe là-bas avec les gars de l'Afrique Foot, se partager. On aurait combien garder un peu, gens garder un peu pour pouvoir créer des entreprises que ceux qui vont vous supporter, ceux qui vont vous soutenir, acheter vos maillots, ils arrivent à faire quelque chose de leurs 10 doigts pour pouvoir aller vous supporter là où vous jouez.
Ça, c'est un peu ce que les gens n'arrivent pas à comprendre. Quand le Cameroun est touché pour un vrai panafricanisme, l'Ivoirien est touché. Quand le Gabon est touché pour un vrai panafricanisme, le Sénégalais est touché. Donc, les problèmes ne concernent seulement pas les pays. Ça concerne tout le continent. Parce que il y a des Algériens, les Maghrébins font des vidéos pour dire qu'actuellement, le Cameroun fait au football africain. Mais quand on dit africain, moi, je suis noir. Moi, je suis 225 ici, voilà, mais je suis africain. Donc, honnêtement, on ne veut même pas que c'est. Ah, Wilfried, ton micro a été coupé. Pourquoi le micro de Wilfried est coupé? Il a reçu un appel ou quoi? Tapotez l'écran parce que mon live bug. Le live là est en train de bugger. C'est-à-dire, vous avez vu, les gens sont descendus là comme ça là parce que le live était en train de bugger. Tapotez l'écran, la famille. La connexion. Il y a quelqu'un qui avait lancé mon numéro. Je vous l'ai dit, à quelque part, soyons soutenus. Les gens sont discutés certaines choses. Aujourd'hui, on parle de la trame qui s'est passée en Côte d'Ivoire. On attend de voir ce que le Maroc va organiser. Ça veut dire que chacun va vouloir monter un peu jusqu'à un matin. La FIFA aura peut-être l'occasion d'organiser la coupe du monde. Donc, moi, je vous suis. Je vous suis, nous, on espère un changement. Raison pour laquelle, depuis lors, malgré tout ce qui se passe en Afrique, on n'a pas encore eu le courage de vouloir traverser la mer, le désert, prendre des faux risques. Peut-être qu'à la longue, si rien ne va, là, peut-être on sera obligé. Mais puisqu'on a la foi, on croit toujours aux nouveaux dirigeants qui viennent avec des idées pour voir réellement si les choses peuvent changer. Et nous espérons tout ça pour que ceux-mêmes qui sont en Europe, en Amérique, en Asie, qui veulent venir investir, n'aient pas de problème à cela. Donc, nous passons tout le temps à ça. Bon, comme je suis pas sûr, peut-être que quelqu'un voudrait prendre la parole. Voilà. Merci. Merci. Alors, King, on t'écoute, King. Allô? Sur Facebook, je serai obligé de couper parce que le live est trop signalé, Facebook. Attends un peu, King. Le live est trop signalé sur Facebook, malheureusement. Ça ne fait que bugger. Et du coup, je serai obligé de couper le live sur Facebook pour protéger ma page. Après, je vais aller répondre sur Facebook. Merci beaucoup, les gars. Pour ceux qui veulent continuer de suivre le live et le débat, rejoignez-nous sur TikTok. Je suis en live sur TikTok. Max Senior Officiel, vous allez me trouver en live. Et vous pourrez prendre la parole. À tout à l'heure.